Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypnotic Marc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Heavy Rain, le 16e, si je ne m'abuse. Je crois bien, attends, je vais regarder en direct. Oui, c'est le 16e épisode, la dernière fois j'avais mis la webcam pour être en facecam. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie visuellement. Mais certains me disent, ouais, tu mets pas beaucoup de facecam. Ouais, c'est vrai que je devrais peut-être en mettre plus, peut-être, je sais pas. J'aime bien pas toujours la mettre parce que je sens qu'on est un peu plus dans le jeu lorsque je mets pas un webcam, mais ça c'est mon avis. Dites-moi en commentaire, donnez-moi votre avis sur le sujet, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre et prendre le pouls un peu de tout le monde. Bref, après la dernière fois avoir échappé à la police de près, on est de retour avec Skull Shelby le 23h49 je crois. On est de retour à notre bureau. Je suis désolé, Scott. Vous auriez dû m'écouter, Monsieur Shelby. Je vous avais dit de laisser tomber cette enquête. Votre fils est un tueur en série. Combien de personnes tue pour que vous le dénonciez? Gordy a ses défauts, mais c'est mon fils. Vous n'avez pas d'enfant, Monsieur Shelby. Ouais, que ce soit ton fils ou non, si c'est bien lui le tueur en série, là. Je vais devoir clore votre enquête. Oh. Définitivement. Donc Lorraine nous a trahis. Ah. Ouais. On va essayer de détacher les nœuds. Je m'attendais pas de... D'accord, d'accord, c'est compris. On va regarder quelque chose d'autre là. On va prendre quelque chose pour briser les liens peut-être. Quel idiot je fais. Sans mettre le contact, aucune chance qu'il s'allume. D'accord, on met le contact, mais je sais pas trop ce qu'il veut faire avec le... Avec le... Ça me semble... Ouais, c'est le truc cigarette, ça. Bon, j'ai pas réussi avec le truc à cigarette. Je l'ai fait tomber, malheureusement. J'ai raté le truc. On va casser la vitre. Et ça devrait faire l'affaire, en principe. Ou sinon, ben, ce sera la mort, hein, tout simplement. Parce qu'une fois, lorsque l'eau sera rentrée et qu'on sera au sol, on va pouvoir égaliser. Ah d'accord, on le sort sans la sauver. Moi, je voulais la sauver. Merde. Non, mais je voulais la sauver, moi. Non, mais merde. Mais merde, je voulais la sauver, moi. Moi je voulais la sauver. Zut. Je sais pas si on pouvait la sauver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on pouvait la sauver. Ah, il va clairement aller vouloir le tuer, hein, c'est comprenable. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Je vais buter cette ordure. Ouais, pour rentrer, bon,
Il manque un peu de subtilité dans notre entrée, mais ça fonctionne également. Hein. Cet enfoiré doit se planquer dans son bureau. Ah ouais, clairement là. Ah, j'ai aucune pitié là. Pour une fois qu'on peut tuer des gens. Ah, on est quand même bon tireur là. On est ancien flic, je vous le rappelle. Allez, où te caches-tu, Kramer? Ouais, il a quand même pas mal de gardes de sécurité là. Ah ouais, quand je vous dis, c'est quoi, une vingtaine, là? N'approchez pas! N'approchez pas où je tire! C'est enfoiré! Pitié, ne me faites... Ouais, pas de mal, là. Moi, je m'en fous, t'as essayé de me tuer, là, je veux dire. Salopard, à cause de toi, Lorraine est morte! Arrêtez! Arrêtez, je vous en prie! Ah non, moi j'arrêterai pas. Allez! C'est ton taré de fils qui a tué ses enfants! C'est lui le tueur aux origami! Non! Non, il est innocent! C'est pas un assassin! C'est pas un assassin! Ah ouais, mais toi t'en es un par exemple. Tu vas me dire la vérité. Non, je vous en prie, ne me faites pas de mal. Dernière chance. Je sais rien, je le jure. Je sais rien du tout. Bon, ben on t'a laissé une chance, mon cher. Arrêtez, arrêtez. Je vous en supplie. Je vais vous dire tout ce que je sais. Gordy. Il voulait juste s'amuser. Il voulait copier le tueur aux origami. Il a enlevé ce gamin. Il lui a mis la tête sous l'eau un peu trop longtemps. C'était un accident. Ah ouais, vous appelez ça vous amuser, toi. Accident. Il voulait juste jouer. Mais pas avouer. Il était en larmes. Il regrettait tellement ce qui s'était passé. Ah mais c'est un meurtre, là. Je veux bien, je m'en fous, là, ce qu'il regarde. Personne ne le regrettera. Quoi ? Le petit gars que Gordy a tué. Il ne manquera à personne. Un pauvre nègre, comme il y en a des milliers. Quoi ? Ah ouais, clairement, là. John Shepard, pourquoi est-ce que tu fleuris la tombe de ce gamin ? J'étais propriétaire du chantier où il est mort. Je n'ai jamais oublié. C'est maintenant 30 ans que je fleuris sa tombe. Et le frère jumeau de John, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas. Il a été adopté, je crois. Ouais, qui serait le vrai tueur aux origami, peut-être? Sa mère doit savoir. Elle s'appelle Anne. Anne Shepard. Cette fille, Lorraine, n'était qu'une putain. Vous l'oublierez vite. Quoi? Venez travailler pour moi, Shelby. Je vous paierai bien. Vous aurez toutes les filles que vous voudrez. Non mais ça va ou... Jamais son nom. Tu m'as entendu? Jamais. Mon cœur! Mon cœur! Vite!
Ce type est une ordure. Il a qu'à crever. Ah non, non, mais moi, j'ai pas de pitié rendu là, la façon qu'il parle et tout là. Rendu là, je n'ai plus aucune pitié. Donc, on est de retour avec Madison, je sais pas ce qui va devenir d'elle, entre guillemets. Elle va sans doute essayer de retrouver la trace d'Ethan qui s'est échappé de la police grâce à notre appel. mm de pluie sont tombés jusqu'à maintenant depuis le début de ce let's play. Ça en fait de la pluie, hein. John Shepard est mort il y a 30 ans. J'espère que la mère de John... D'accord, elle va arriver à la mère de John avant. Il ne reste que quelques heures pour sauver Sean Mars. J'espère que je ne suis pas en train de perdre mon temps sur une fausse piste. Bonjour, je cherche la chambre d'Anne Shepard. Signez le registre, s'il vous plaît. Vous êtes de la famille? Oui, en quelque sorte. Oh, ça lui fera plaisir d'avoir de la visite. Personne ne vient jamais la voir. Elle n'a plus toute sa tête à cause de la maladie d'Alzheimer, mais ça lui fera plaisir quand même, vous savez. C'est la chambre 19, au bout du couloir. D'accord, donc chambre 19, elle est atteinte de... Elle, dans le fond, elle est dans un centre psychiatrique. Je cherche la chambre 19. Donc au bout du couloir. Donc elle est atteinte d'une maladie de l'Alzheimer. Je pourrais lui emmener des fleurs, quoi. Ah non, d'accord, je peux pas. Je vais dire voler les fleurs. Oui, je suis sans cœur, entre guillemets. Je cherche la chambre 19. 17, 18. En principe, ça devrait être à droite. En principe, si j'ai bien compris comment cela fonctionnait, finalement, non. Je cherche la chambre 19. Non mais, les foutus jeux de caméra des fois là. D'accord, ici il y a une chambre. Non, chambre 20. Est-ce que je suis passé à côté? Ah non, chambre 19. Voilà. Toutes mes excuses hein, pour l'éternuement. C'est déjà l'heure de mon médicament? Non, Madame Shepard. Ils ne sont jamais à l'heure pour mon médicament. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Dans l'autre hôpital, ils étaient ponctuels. Mais ici. On va se présenter avant, quand même. Je m'appelle Madison Page. Je suis journaliste. Je voudrais vous poser quelques questions sur votre fils. Je n'aime pas cet hôpital. Qu'ils servent à manger n'est pas très bon. Elle n'a plus toute sa tête, malheureusement. Essayez de vous rappeler, Madame Shepard. Le frère jumeau de John a été confié à une famille d'accueil après l'accident. Vous vous souvenez du nom de la famille d'accueil? J'ai demandé à avoir la télévision. Mais ils ont dit que je n'avais pas assez d'argent. C'est dommage. J'aime bien la télévision. Pauvre dame. Vous vous souvenez de John? Mon petit John. C'est un brave gamin, vous savez. Votre autre fils, Madame Shepard, le frère jumeau de John. Comment s'appelait-il? Mon autre fils? Quel autre fils? Je n'ai jamais eu d'enfant. D'accord. Et pas toute là. Cette femme est peut-être la mère du tueur aux origami. Il doit bien y avoir un moyen de l'aider à se rappeler. D'accord, on veut trouver un petit moyen. Non mais, putain la caméra là. Voilà. Ah, des origamis.
J'adore les origamis. Mais celui-ci n'est pas mon modèle préféré. D'accord, il va falloir vraiment trouver son modèle favori. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, bah, on va essayer de retrouver son modèle favori là. Mais on n'a pas l'air d'avoir des feuilles illimitées donc. Le chien. La grenouille. Si c'est pas le petit oiseau, c'est peut-être tout simplement celui-là. Je sais pas, peut-être. Est-ce que celui-là sera son préféré? J'adore les origamis. On va tous les faire au final, hein. Donc c'est pas lui, c'est pas lui. Ah, ça m'étonnerait que ce soit le chien, ça se peut, mais j'ai des doutes. On peut essayer, mais j'ai des doutes. On a l'air quand même d'avoir des feuilles illimitées finalement. Oh merde, j'ai raté ce bout. Ah d'accord, elle duplie, d'accord. La meuf, elle duplie au complet lorsqu'elle ne fait pas l'origami comme ils font. Ça, c'est cool, hein. Est-ce que c'est celui-ci? Le chien, peut-être. Vous savez faire des petits chiens aussi. Les enfants adoraient les origami. Ah, bah, finalement, c'est les chiens. John, ils aimaient beaucoup. Ils voulaient toujours tous les baptiser Max. Max. Tous les chiens avaient le même nom. J'avais beau lui répéter, il ne pouvait pas les appeler tous pareils. Il n'avait que ce Max, donc c'est peut-être son frère jumeau. Idiot, n'est-ce pas? Bon, inutile d'insister, je n'en tirerai rien de plus. Si je cherche le nom de la famille d'adoption de son fils, ça va prendre des jours dans le meilleur des cas. Sean Mars sera mort d'ici là. On dirait que vous ne recevez pas souvent des fleurs. Non, pourtant je les adore. Mon fils sait que j'adore les fleurs. Je sais qu'il va venir m'en apporter. Bon, inutile d'insister, je n'en tirerai rien de plus. Ah, une photo. Ce sont vos enfants, Madame Shepard ? John et son frère. N'est-ce pas? De gentils gamins. Leur père ne s'occupait jamais d'eux. Toujours, ils connaissent. Ils n'ont pas eu la vie facile, ça non. On sait toujours pas le nom. Ses souvenirs reviennent. Il faut que je continue, elle va se rappeler. Bon. Inutile d'insister, je n'en tirerai rien de plus. Alors, ces souvenirs reviennent. C'est vous qui fabriquez ces origamis? Mes petits animaux en papier. Ils jouaient avec pendant des heures. J'ai appris à mes garçons à en faire, vous savez. Oui, vos garçons, Madame Shepard. John et... Comment s'appelait votre autre fils, déjà? Mon autre fils? Je n'ai eu qu'un fils. Donc ce serait pas son fils jumeau, peut-être? Peut-être, ce n'est pas... Ce serait pas son fils, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai que là, je crois qu'on peut pas en tirer plus. Il avait cependant des fleurs là sur le chemin. Est-ce qu'on peut les prendre? Est-ce que Madame Shepard raconte des souvenirs parfois? Ça n'arrive que rarement. Parfois, des bribes de souvenirs lui reviennent. Quand elle voit un objet ou quelque chose qui lui rappelle son passé. Est-ce qu'elle a déjà parlé d'un de ses fils? Ses fils? Eh bien, elle parle souvent de John. Il est mort noyé, je crois. Elle n'a jamais parlé d'un autre fils?
Non, pas que je sache. J'ignorais qu'elle en avait un autre. Elle reçoit des visites de temps en temps. Ça fait 10 ans qu'elle est là et vous êtes la première. Ah, quand même. Ça veut dire que son fils ne serait pas son fils. Vous devriez lui montrer des choses qui lui rappellent son passé. Vous obtiendrez peut-être une réaction. Merci pour le conseil. Elle m'a dit qu'elle adorait une sorte de fleur. Oh, c'était quoi déjà ? Lui montrer des choses qui lui rappellent son passé. Elle m'a dit qu'elle adorait une sorte de fleur. Oh, c'était quoi déjà ? Lui montrer des choses qui lui rappellent son passé. Voilà, on va lui montrer une fleur. Peut-être que ça lui rappellera quelques souvenirs, je ne sais pas. Voilà une belle orchidée. Mes fils adoraient les orchidées. Ah, mes fils. On en cultivait en pot. Quand John est mort, je les ai jetés sur son cercueil. J'ai pleuré quand on l'a pris. J'avais déjà perdu un de mes deux petits. Voilà qu'on me prenait l'autre. Vous comprenez ? La famille d'accueil, Madame Shepard. Quel était le nom de la famille qui a adopté le frère de John ? C'était des gens adorables, vraiment. Bon, ben, elle se rappelle un petit peu. Au début, j'allais voir mon petit garçon. Et puis, je suis tombée malade. J'ai dû arrêter d'y aller. Je suppose qu'il a cru que je l'avais oublié. Que je ne l'aimais plus, le pauvre petit. Son nom, Madame Shepard. Quel était son nom ? Mais je l'aimais. Si vous saviez seulement comme il m'a manqué. S'il vous plaît, Anne, son nom, quel était son nom ? Approchez. D'accord, on garde le suspense. Ethan, peut-être, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle vient de découvrir. Moi aussi, je veux le savoir. Tout ce suspense. Mais bon, tout ce suspense, on en saura plus dans les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à donner vos commentaires. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, sans je tiens à vous le dire, on est de plus en plus présents, de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie. D'ici là, je dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao ciao.